Alors que les différentes municipalités de la MRC d'Acton ont commencé à annoncer les dates officielles des ventes de garages sans permis de notre région, voilà que Patrick Deschamps lance la deuxième saison du site internet tavente-de-garage.com et ça rentre en fonction officiellement aujourd'hui, cette deuxième saison. Donc, nous avons eu envie de lui parler. Nous l'avons au bout du fil. Monsieur Patrick Deschamps, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Monsieur Deschamps, on en est à la deuxième année de ce site internet qui répertorie les ventes de garages. Moi, je suis curieuse de savoir d'où vous est provenue cette idée-là. Êtes-vous vous-même adepte des ventes de garage? Bien, le but premier qu'on avait, c'était de créer un achalandage pour les gens qui font des ventes de garage à la maison, dans les quartiers. On se promenait, mais on voyait que des fois, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui allaient aux ventes de garage parce qu'on annonçait sur les poteaux au coin de la rue. Alors, on a décidé de créer un site justement pour que les gens puissent visiter les gens qui ont des choses à vendre pour leur vente de garage. Et bon, c'est la deuxième année, donc est-ce que vous avez quelques chiffres concernant la première édition, entre autres le nombre de ventes de garages qui ont été annoncées sur votre site? La première année, on a eu 24 000 visiteurs sur le site et on a eu à peu près de 500 personnes qui sont inscrites sur le site partout au Québec. Là, toutes les régions du Québec sont représentées, donc il y avait plusieurs personnes un peu partout là, pour leur vente de garage. Et avez-vous récolté quelques commentaires? Oui, on a toujours des bons commentaires. Les gens nous envoient des courriels, sont contents, ils permettent de vendre leurs choses plus rapidement. Et aussi, ça donnait aussi, les gens disaient, c'est un bon moyen de recycler nos vieilles choses. Alors, c'est assez intéressant les commentaires qu'on reçoit des gens. Donc, l'idée première, si je comprends bien, de ce projet-là, c'était de meubler un besoin d'affichage, de promotion qui n'était pas comblé. C'est ça. Et c'est aussi pour les particuliers, les municipalités aussi. Les organismes à but non lucratif aussi, c'est intéressant pour eux autres pour annoncer leur projet. Si c'est un bazar ou une vente trottoir, ben ils peuvent l'annoncer quand c'est à but non lucratif sur notre site. Et quand on entre, sur tavente-de-garage.com, comment ça fonctionne l'interface, là, grosso modo? Alors, il y a les boutons qui sont à gauche de l'écran. Alors, toutes les régions sont annoncées là. Alors, juste seulement cliquer sur une région qui est en vert, ce qui annonce qu'il y a déjà des ventes pour cette saison-ci. Et puis, ça indique vraiment les ventes qui sont, pour exemple, pour la Montérégie. Bien, on voit toutes les ventes qui sont annoncées pour la Montérégie. Puis, il y a les formulaires d'inscription qui sont là aussi. Et est-ce qu'il y a des frais attachés à ça pour les annonceurs? C'est gratuit pour les particuliers, les municipalités, les organismes à but non lucratif. S'il y a des commerçants qui veulent annoncer, exemple, qui font des ventes un jour à chaque semaine, une fin de semaine, à tous les dimanches ou les samedis, bien, il y a des frais de 15 $ pour la saison. Et bon, le lancement se fait aujourd'hui, donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, les gens peuvent inscrire leur vente de garage? Oui, ils peuvent inscrire leur vente de garage. Il y a déjà une 60aine d'inscriptions qui sont rentrées. Alors, ça va bon train pour la première journée. Effectivement. Alors, en terminant, peut-être laisser l'adresse exacte pour aller consulter déjà cette 60aine d'annonces ou encore inscrire la sienne? C'est ça, c'est le site tavente-de-garage.com. Merci beaucoup, M. Deschamps. On va vous souhaiter une belle saison de vente de garage. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour.